Bon, j'ai mis le low cut. Parle voir. Oui. Ok. Ouais. J'ai mis en mode low cut pour atténuer un peu les bruits ambiants. Donc on verra ce que ça donne. Allez, salut. Salut. Hein. Effectivement, ça fait longtemps. Je vais juste aller chercher de la farine, parce que je n'aurai pas assez. Bonjour à tous. Bonjour. Ben, ça va très bien, merci. Et vous, comment ça va en ce temps pluvieux? Merci beaucoup Anna. J'ai vu le nouveau format des replays de live, celui des petits roulés sur la chaîne d'Adrien, j'adore. Ouais. Ouais, c'est vraiment bien. Bonjour. Alors, je l'ai noté sur le planning des lives. Alors, aujourd'hui, c'est churros. Comme à la fête foraine. Ici, soleil, le linge est dehors et plus 20 degrés. Oh! Ça, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, non, non. Oui, il va être content, c'est clair. Hop. Alors du coup, recette très très simple, vraiment. Ça revient, c'est une recette qui revient à peu près à 50 centimes par personne. Donc, comme ingrédient, on aura besoin déjà de 250 g de farine, 25 cl d'eau que je vais mettre dès à présent à chauffer. Voilà, avec un petit peu de sel. Voilà, et on va attendre gentiment que ça soit à ébullition pour venir l'intégrer à notre farine. Donc juste avant, je fais un petit puits. Hop. Et voilà, ce sera tout. Voilà, merci d'avoir regardé le live et à bientôt. Oui, voilà, c'est ça. J'ai mis 25 centilitres, pardon. Attendez, j'ai ma maman qui m'appelle. Oui? Ah, ben non, c'est bon, il en a acheté un ce matin. Ouais. Ouais. Non, il en a acheté un ce matin, il a dit l'a trouvé. Ouais. Voilà. Non. Non, non, c'est bon. Okay. Ouais, ça marche.
À plus, salut. Et ma maman m'a dit qu'elle avait un micro-ondes pour Alain, mais du coup, elle nous a écrit ce matin qu'il était allé en acheter un d'occasion. Donc je disais, j'ai mis 25 centilitres d'eau avec un petit peu de sel. On fait bouillir. Coucou Nono, ça va et toi? Donc là, j'ai fait un petit puits dans ma farine. Ensuite, je vais bien prévoir juste ça pour tout à l'heure, pour la cuisson. Donc, on ne peut pas faire plus simple, n'est-ce pas? On ne peut pas faire avec moins d'ingrédients non plus. Je vais préparer aussi ma poche à douille. J'y ai cru, je me suis dit j'arrive à la boue. Non, non, non. Nous sommes qu'au début. Non, pas de sucre. Enfin, le sucre, si, il y en aura dans la recette, mais c'est pour les saupoudrer après. Bonjour, ça va très bien, merci. Et vous? Hop, ensuite, je vais tout de suite installer ça. Ouais, une recette régime. Donc là, je vais utiliser du coup la douille cannelée. Hop. Encore le petit support à douille. À douille, à poche. Oui, farine et eau avec un petit peu de sel dans l'eau. Le sucre pour saupoudrer à la fin. Et puis évidemment de l'huile de friture pour les frire. Donc là, l'eau est bien bouillante. Donc je vais venir l'incorporer à ma farine où j'ai donc fait le petit puits au milieu. Une petite question, tu les fais frire après? Oui, après, parce qu'avant c'est un petit peu compliqué. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je crains toujours les odeurs. Oui, bah après il faut aérer, hein, forcément. Oui, je suis conseillère Guy de Marle. Donc là, on ajoute l'eau. Hop. Et là, on va venir mélanger pendant quelques minutes. Donc, même système que pour la pâte à choux. Oui, voilà, c'est exactement ça. N'y est plus. Le moule tablette n'y est plus. Oh, si. Après, il est peut-être plus dispo, hein, j'ai pas regardé. Mais si, si. Donc, avec une cuillère à bois, c'est important. Ça va très bien, merci. Bonjour Elodie. Alors je prépare des churros. Oui, j'en ai déjà fait, j'en ai même fait en live hein, la dernière fois, il n'y a pas longtemps, au mois de février. Oui, tous les jours des recettes. Coucou Laetitia, ça va très bien, merci. Alors cette recette, je ne l'ai jamais faite. Hein. Alors j'espère ne pas louper. Parce que la pâte à choux, j'en ai déjà fait. Non, déjà les fourreaux, je ne vais pas les fourrer. Après,
On ajoute du Nutella ou s'il veut du chocolat blanc, on fera fondre du chocolat blanc pour les tremper dedans. Du coup, je sais pas trop comment c'est censé être. Là, je vais déjà remuer encore parce qu'il faut quelques minutes. Et oui, si elle ne s'épaissit pas un peu, je remettrai un peu de farine. En fait, il faut attendre que ça se décolle du bord, comme la pâte à choux. Voilà. Merci pour les cœurs. Bonjour Sophia. Ça va très bien et toi? Eh, ça fait mal au bras. Hein. Ajouter un petit peu, il m'en restait un peu là déjà. Après, c'est un peu comme les, vous savez, les pâtes à pain. C'est pareil, on dit la quantité, mais en général, on voit au fur et à mesure la texture et on adapte. Ah, ça bug depuis quelques jours tes lives, mes lives chez toi. Bah écoute, non, pourquoi ça bug? Ah, on ne me voyait plus, c'était en pause. Pour mettre un petit peu. Là, ça commence à venir. Salut! Je fais des churros. Alors, est-ce que d'après vous, je suis bien là? Moi, je pense que ça me manque un peu de farine encore. Ouais, un peu de farine, c'est ce que je pense aussi. Je peux pas t'aider, j'ai jamais fait. Voilà, là. Là, regardez, voyez, ça prend tout de suite une autre consistance. Oh, et j'ai mal au bras, quoi.
je ne sais pas du tout combien ça va en faire. Après, je me suis lancée sur cette quantité-là parce que du coup, comme j'ai dit, c'est une recette que je n'ai jamais faite. Et du coup, j'avais pas envie de direct me lancer à faire 500 g de farine parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça va bien fonctionner. Je ne sais pas la quantité que ça va donner. Donc là, on va dire que c'est un essai. J'ai fait des éclairs au chocolat, ma pâte n'a pas gonflé. Ah, je n'ai jamais fait d'éclairs non plus. Tu la claques sur Adrien, s'il me dit aïe, c'est que c'est bon. Le pauvre. Bonjour. En fait, tu vois, il faut que ça soit un peu comme ça. Genre, quand tu mélanges, il faut vraiment que tout se décolle et que limite, tu puisses la prendre dans ta main comme quand tu fais une brioche ou du pain. C'est ce que je disais au début. Donc, d'une fois et d'une autre, ça va pas être la même quantité. C'est toujours un peu galère. Mais bon, après, voilà, c'est juste que c'est un peu long parce qu'il faut remuer. Il faut voir si ça se décolle bien et tout. Mais après, c'est pas non plus la mer à boire, n'est-ce pas? C'est juste, ça fait les muscles. Là, je pense qu'on est bientôt OK. Je vais juste en remettre encore une fois peut-être. Bah écoute, pour avoir travaillé longtemps dans la boulangerie, alors je ne dis pas que je suis une professionnelle, ça n'a peut-être rien à voir, j'en sais rien, mais je sais que d'une fois à l'autre, bah y a des fois, mais quand tu fais du pain, quand tu fais de la brioche, là quand tu fais ce genre de pâte, bah tu vas en mettre plus, moins, tu mets ta quantité, et après, si tu vois que ça colle trop, tu remets un peu de farine. Il y a des fois, tu vas en remettre une fois, deux fois. Il y a la fois d'après, tu vas en remettre trois fois. Moi, ça me choque pas, non. Voilà, là vous voyez, ça se décolle vraiment bien. Je vais juste tout rabattre et après je remélange un petit coup et on mettra dans la poche à douille. Voilà, il ne faudrait pas qu'elle soit quand même trop compacte. Donc là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Juste me laver les mains et laver ça. Non, il n'y a pas besoin de repos. Suivant même la météo, la température, l'humidité. Oui, c'est ça. Je veux faire ta recette de petits oursons. Ah! J'en ai quelque part ou quoi? J'ai l'impression que... Non, c'est bon. Juste ici, un petit peu plus grande. Ça, j'aime... Oh.
J'aime pas du tout faire les cuissons comme ça. Ça me fait toujours peur. Je vais ouvrir. Oui, oui, il faut, faut faire attention, c'est ce que j'allais vous dire. C'est pour ça que j'aime pas faire frire comme les beignets de carnaval, c'était pareil. Je suis pas trop fan, mais bon. Alors, j'espère que ça va aller dans la poche à douille. Logiquement, c'est censé passer, mais je sais pas si ma douille, elle est assez grosse. Tu n'es pas chez toi, ça change. Ah, je suis pas chez moi. Je suis chez qui? J'ai pas compris là. Donc là, normalement, pour éviter les éclaboussures avec l'huile, il faut essayer de vider au maximum les bulles d'air qu'il peut y avoir dans la poche à douille. Du coup, Mélanie, tu peux répéter ta question ? Et préciser un peu, parce que je pense pas avoir compris le sens de ta question. C'est un peu bizarre. J'ai pris le ciseau au cas où. On n'a pas reconnu l'angle, mais quand même. Mais pas toi. T'es noupi. Oui, c'est une poche réutilisable. Coucou Claudia. J'aime vraiment pas. Je vais être comme ça. Normalement, il n'y a pas de bulle d'air, ça devrait aller, j'espère. On va rester loin quand même. Par contre, il faut peut-être que je sorte un plateau. Je vais peut-être d'abord le mettre sur un autre. Oui, mais les vêtements vont sûrement sentir la friture. Ça y est, je commence. Je me lance petit, hein. J'en ai plus du papier absorbant. Mais ça va très bien, merci. Oui, moi non plus, j'aime pas faire des fritures. Non, l'huile, j'aurais dû laisser encore un peu, mais comme ça commençait à bouillir, en fait, je me suis dit, à mon avis, c'est bon, j'ai peur que ce soit trop chaud. Mais en fait, j'aurais dû laisser encore un peu. Je vais même pas les goûter, quoi. Vous vous rendez compte? Du coup,
vais, alors je vais peut-être mettre là-dessus. Elle a un petit peu parce qu'après, vu que je vais les saupoudrer et tout, je veux pas les mettre tout de suite. Ben oui, hein. Bon, en tout cas, la pâte, ça va. Adrien pourra me dire ce qu'il en est de, du reste. Quoi, Adrien? Hein? Qu'est-ce que tu m'as dit de moi? J'ai dit qu'il faudra que tu me dises si le goût et tout, ça va. Ah, t'as mis de la fleur d'oranger ou quoi? Non. Non, c'est pas grave, hein. Je te demande, parce qu'il y en a qui dans les chevaux, s'il met de la fleur d'oranger. Quoi? Non, mais je veux pas de la fleur d'oranger, moi. Non, je suis pas allergique. Ça va pas frire, là, c'est pas assez chaud. Bah, ça va venir, c'est en train de chauffer. Je les ai mis... Ça boule, hein. C'est ce que j'ai dit, je les ai mis trop tôt, mais une fois là que ça va frire, ça sera parti. C'est comme les. Qu'est-ce qu'on va carnaval. On va frire. Ah, t'as pas la ref. T'es jamais expliqué? Non. Parspiroule par ensuite. 40 degrés à l'ombre, pas d'ombre, pas de machin. Ah oui, pas d'eau. Parce que... Ça y est, il commence après le chocolat blanc, la fleur d'oranger. Non, justement, je suis pas le fleur d'oranger, je m'en fous. Bah oui, justement, il est pas trop. Je sais juste qu'une fois, j'ai acheté des churros à Metz au marché de Noël et il y avait de la fleur d'oranger. Ah, ça m'a fait scandale. Qu'est-ce qu'il y a, les chiens? Pourquoi vous guettez là? Vous croyez que vous allez manger des churros peut-être? Non, c'est les miens. Bon, ils se dégossent, c'est dingue. Bon, j'attends le camion, là. Ouais. On se fait livrer 30 paquets de parquet, on a 17 tours faire en gros. Ouais. La petite astuce, c'est le thermomètre. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça a combien, à peu près? Bah, 135, 140, je pense. En tout cas, regardez. Résultat d'hier. Oh, oui, il en reste ouais, pas beaucoup. Ils ont tous été coupés, on sait pas pourquoi. Oui, ils ont tous été coupés. Alors, parce que. Il y en a 15. Il y en avait 15. Adrien cherchait celui au chocolat blanc. Donc il a coupé le petit bout devant pour voir dans chaque. Et évidemment, le chocolat blanc, c'était le dernier. Ah, j'ai vraiment pas de chance. Hein. Donc il a dû couper les 15 pour trouver le chocolat blanc. En fait, ce qui est chiant, c'est que là, c'est long. Tu vas mettre sur quoi les churros? Là. Ça va traverser, ça va aller sur le plan de travail, l'huile chaude. Ben, je vais mettre l'huile ouais, de flaque. Parce que c'est troué. Oui, j'aurais dû avoir l'essuie-tout. Mais... On n'a pas l'essuie-tout. Non. On ne fonctionne pas l'essuie-tout. Non, non. On nettoie avec nos manches. 165, 170 degrés max, pas assez chaud, tu auras les beignets ou churros trop imprégnés de gras. T'as mis à combien là? T'as regardé? Quoi? À combien c'était? Non. Mais on s'en fout maintenant. Mais oui, on s'en fout, mais juste regarde. Bah ceux-là, ils seront peut-être pas super réussis, mais on dira que c'est comme les crêpes, la première. Oui, ouais, ils s'en foutent, hein, tu vas pas les vendre. Hein. C'est pour nous. J'en achète une fois par an, des essuie-tout quand j'y pense, même jamais. Quoi. Bah pareil, parce que nous on a les... On achète les gros chez Action. On a les torchons là, les trucs là, et souvent les enfants ils prennent, bah ils vont en chercher un et puis ils ont ça, tu vois. Mais c'est vrai que les essuie-tout... Voilà. 130. 130, bon bah voilà. Un scandale! Bon ceux-là ils seront peut-être pas ouf, hein. C'est franchement. Après, comme j'ai dit, j'en ai pas fait beaucoup au départ parce que je l'ai surtout essayé. C'est la première fois que tu dis chaud. Bah oui. Ça me chaud. Après, t'en as pris deux, hein, au pire, mais c'est plus salissant, c'est plus chiant. Mmh. Bah, ils seront bien quand même. Mais oui. Oh, oui. Qui fait des churros chez soi déjà, hein? Dites-moi, qui a déjà fait des churros?
Toujours de l'essuie-tout comme les mouchoirs, j'aime pas ne pas en avoir. Bah ma mère c'est pareil. Chaque fois elle vient ici, elle me dit mais t'as pas d'essuie-tout? Bah, je dis non, faut faire des essuie-tout. Par contre des mouchoirs j'en achète. Et d'ailleurs j'ai vu ce matin qu'il n'y en avait plus. Ils ont pris les derniers paquets les enfants. Bon, elle est là. Coucou Toff. Allez. Après, ce truc, il chauffe pas comme le gaz. Hein. C'est pas aussi puissant, hein. Bah non, c'est logique, c'est pas aussi. Tu veux le mettre passer sur le gaz? Non. C'est pas aussi puissant, mais. Non, parce que là, une fois que ce sera chaud, ce sera bon. Après, je vais pas avoir le temps d'en faire 4, le premier sera déjà cuit. Comme les bénites carmelées. Oui, ça a été chiant, ça. Ouais. C'est pour ça que j'aime pas faire ça. La friture. Ouais. Merci Céline pour le follow. Un jour, mon beau-frère en a fait pas trop humide et huile trop chaude, ça lui a brûlé le visage. Ah bah la flotte et l'huile, ça fait pas bon ménage. Hein. Bah j'espère que ça va pas m'arriver. Ah, ils commencent à bien dorer. Hein. Ils ont bien la forme, il faut. Après, ils seront peut-être durs parce que du coup, ils seront restés longtemps là-dedans, non? Pour le verre. Bah pourquoi? Bah je sais pas. Mais non. Prends la tête pour rien. C'est les gens qui pontent la tête là. Ouais, ils ont qu'à le faire, les chouons. Voilà le comploteur, Mélanie. Ah, je ne complote pas. Je sais juste reconnaître les adjectifs démonstratifs et possessifs. Toff, il t'a dit bonjour, monsieur. Salut. Bonjour, monsieur. Toff, j'entends toujours parler de lui, mais surtout quand je vais au chef la nuit pour faire caca que je vois ses lives. Je me dis, mais il est tout le temps en live la nuit. Ça a augmenté. Là. Oh, ça va, elle a dit Mélanie. Quasiment 140 là. Ouais, bon, après voilà. C'est comme la première crêpe. Les premiers chouros seront pas bien et les autres seront bien. Non, mais j'ai la pression là, tu sais pas. Oui, oh. Moi aussi j'ai la pression à chaque fois. Gardez, ça va quand même. Mais oui, moi je vais les goûter, t'inquiète. Je vais te dire si c'est bon. Greg dit coucou vous deux. Salut. Salut, tu pourrais dire ça gentiment. Salut. Il est gentil, dis-le. Que je ne fais pas partie du niveau 2 des amis, de mon cercle d'amis. Comme j'ai dit en live. Je catégorise les amis. Mais non, mais je rigole. Je dis non, là. Et donc, il a dit, dis-le que je te fais yèche. Du coup. Ouais. Non, mais à chaque fois, il me dit, t'as, mais le Toff, là, tu parles, il est tout le temps en live ou quoi? Bah, après, c'est son taf, hein, mais c'est la nuit, moi, que ça me choque. Il dit oui, souvent. Alors il me dit, bah oui, tu vois, chaque fois que je me lève, je vais sur mon téléphone, il est là. Oui. Je suis enceinte dans le dernier mois et je meurs d'envie de churros. Moi ouais. Je suis pas enceinte, j'ai toujours envie de churros. Hein. Si tu étais tout prêt, je t'en ramènerais. Voilà, juste parce que t'es enceinte, je serais gentille. Je fais la livraison. Bon, c'est bon, là, ou quoi? Ah oui, ils sont durs. De toute façon, c'est croustillant les churros. Ah, mais quand même. Demain, je te le dirai. Hein, pas 50. Là, je vais. Oh, putain. Pourquoi t'es chiant hein? Mais oh! T'arrêtes? Timiel, va. Pose sur ton torchon. Non. Ah, lui aussi, elle veut des churros. Là, tu m'étonnes. C'est pas ma fille, elle veut rien. Je vais faire le quatrième juste pour que tu m'apportes des choses. Ah. Alors trop. C'est pas trop dur? Bah non, j'ai tout mis à l'intérieur. Ah ouais? Oh, regarde, la pâte, elle est même pas encore cuite. T'aurais pu laisser plus longtemps. Non. Bah les autres. Ouais, c'est bon. Bah nickel. Bon bah c'est nickel. A tout à l'heure, Toff. Merci. Oh, oui, regardez. Merci Dorine. Ouais, ah, j'ai l'écrase, mais. Trop bon. Oh, je ils sont pas sucrés là. Non, mais je mets du Nutella. Oui. Adorable, mais je suis dans le fin fond de l'Auvergne. Oh. Effectivement, ça fait un peu loin. Bon, allez, là, Germaine, chauffe. Quel bonheur. Trop bon. C'est demain que j'aurais dû les faire. Ou hier. Pourquoi? Bah, pour les manger. Ah bah oui, t'en manges pas toi aujourd'hui.
En tout cas, je saurai la prochaine fois. Je vais écouter le conseil. Tu le sais chauffer bien avant. Ouais. Quasiment 150. Hein. Je te dis, normalement, pour les churros et tout, c'est 160 à peu près. On a quoi comme chien? On a un bulldog français et un Jack Russell. Après, 150. Ouais, ça se voit, il commence. Oui, bah après, c'est comme les crèmes, comme tu dis, au début, quand la poêle est froide, ça a du mal. Et puis les autres, après, elles cuisent trop vite. Bah oui. C'est bon, hein, je peux les retirer, celui-là. Ouais, mais si les autres, je vais les remettre dedans tout de suite. Ah, tu veux laisser chauffer encore un peu? Après là, la puissance du fric, c'est 1500 watts, je crois. Ça va pas chauffer non plus à 500 degrés. Mais ils sont bons, hein. Ouais. Ah ouais. Tu gères. T'as éteint? Bah non. Ah, j'ai cru. Ah, déjà, ça fait un autre bruit. Oui, ça frétille tout de suite. Déjà Adrien sur sa première chaîne, bah, il avait qu'une chaîne YouTube. Oui. Hop, là déjà ça frétille. Ah maintenant ma chaîne on est associé. Elle est super belle la cuisine, merci. Merci. Quoi? On est associé maintenant. Putain, heureusement que certaines ne sont pas conseillères financières ou conseillères d'entreprise, hein, parce que c'est mal barré. Ta mère avait trouvé un micro-ondes ? Bah finalement elle lui donnait le sien. Enfin celui que mon père il a pour le camping-car. Oh bordel. Ah oui il est bien en plus, je l'ai vu. Et parce qu'ils ont dit, enfin quand elle a raconté à mon père qu'il lui manquait encore ça. Et du coup il a dit bah c'est bon qu'ils prennent le micro-ondes. Mmh. Et nous on ira en acheter un pour le camping-car. Mmh. Et puis j'ai dit ouais mais il est passé ce matin, enfin il est allé ce matin en chercher un. Oui, bon. Non, il y a déjà pas mal de choses. Coucou Maëlys. Non, je ne l'ai pas fait opérer. Ah, ça chauffe plus là. Ça me chauffe les doigts là. Ouais. Non, bah du coup, Marine, c'est gentil, mais il est allé en acheter un ce matin. Bah, je suis en live cuisine 4 fois par semaine. Et du coup, on cuisine bah, tous les jours quand même, même si on n'est pas en live, on cuisine. Ah doudou, tu t'es pas jamais fait opérer toi. Hein, mon petit chacha. Un chien. Non, c'est mon petit chacha. Ah, bah si après c'est nécessaire. Bon, moi il a quel âge, Gordon? 13 ans, 14 ans. Je sais pas. 14, je crois. Ça sert plus à rien. Mais il est pas. Il est pas embêté tant que ça, lui, avec ça. Ça va. Faut qu'on mange nos donuts moches, sinon j'en aurais fait aussi. Mais en plus, c'est le genre de recette que t'as facile à faire parce que t'as toujours de la farine, tu vois, chez toi. Et du coup, bah, vu que t'as pas besoin forcément d'autres ingrédients, c'est super facile. Ou quelque chose? Bah ouais. Bah, c'est juste la cuisson des chiantes, c'est comme les crêpes, hein, c'est sympa. Bah oui. Mais il faut déjà plus d'ingrédients, tu vois, les crêpes. Oui. T'as pas forcément tous les œufs, le lait, tout ça. Que là, de la farine, de l'eau, t'en as, tu vois. Ça coûte moins cher qu'en magasin parce que j'ai déjà voulu en acheter des surgelés. Pour le prix. Je réfléchis à deux fois. Tu fais dorer les churros. Bah là, du coup, ça dort pas vraiment. Ils sont très bons. J'attends, mais. Même Léandre peut en manger du coup. Bah oui, s'il peut la farine de blé. Ouais, 250 g de farine, 25 centilitres d'eau, une pincée de sel que tu mets dans l'eau pour faire bouillir. Et pour la farine, bah après, je sais pas si tu as suivi la recette, mais du coup, j'en ai rajouté quand même pas mal. Mais tu commences avec 250 g de farine. Et au fur et à mesure que tu mélanges, tu vois si elle se décolle bien en fait de ton récipient. Et s'il faut, t'en rajoutes un petit peu par-ci, par-là, jusqu'à ce que tu vois que ça se décolle bien.
C'est en retard, hein. Bah oui, sauf que moi, quand même, je me pose. Bah ouais. Quoi? Pour moi, la pâte, je fais équivalent farine et eau. Ben, si ça marche, oui. Quoi? Je vais finir sur le sur mon gaz. Suite sur gaz? Bah non, c'est chiant, après je tourne le dos. Ah! Pour que ce soit plus rapide, vas-y. De toute façon, c'est déjà chaud, donc ça suit sur le chaud et puis c'est bon. Hein. Non? Oui, mais non, j'ai déjà fait, ouais. Bah, parce qu'en fait, j'ai acheté cette plaque de cuisson exprès pour que je puisse faire le live en même temps et en étant en face. J'ai besoin de vous tourner le dos à être là-bas parce que du coup, si je suis là-bas, je vais quand même commencer ici pour après aller là-bas. Donc. Ah, ça manque un peu de jus, t'as vu. Ça a bien engrangé et du coup, ça commence à revenir aussi. Là, essuie, tu rentres là. Mais non, c'est bon. Oh ben, on va pas les conserver. De quoi? Ils seront mangés ici ce soir, c'est bon. Ah, ça c'est su. Avec Adrien et les enfants. Oh, les enfants. Quoi, ton huile n'est pas assez chaude. Oui, je sais. J'ai remarqué. Ouais. Ça me rappelle les fêtes foraines d'enfance. Oui, ouais. Bon, mais pas d'enfance, on en prend quand même. Bah oui. On en prend du jour quand on y va. Oh oui. Avec du thé. Bon, en général, je les mange pas. Je les mange après. Tu les mets sur le gaz et Adrien te tient le téléphone. Bonjour. J'ai pas de pince. Elle est en commande, elle va arriver. J'ai commandé celle de Guy de Marne. Mais c'est clair que ce sera beaucoup plus simple. Merci Eva pour le follow. Non, mais là, au fur et à mesure, ça va aller plus vite. Ça va déjà plus vite que les premiers. Ça frétille plus, là. Ouais. Bah, il était à quasiment 160 avant. Ouais. D'enfance parce que maintenant j'essaye de me retenir d'en manger. Oui, c'est clair que quand on est gosse, on se pose moins de questions. Hein. Non, 152. 152 ? Comment t'as fait pour avoir 160 ? Ben parce que tu les avais enlevés. Donc du coup, là, vu qu'il y a de la masse... Non, je pense que t'as touché le fond, surtout. Non. Si, parce que si tu touches le fond, c'est plus chaud. Hein. En mettant les churros, ça fait une différence de température. Ils sont à température ambiante, donc forcément, ça fait baisser un peu la température de l'huile au moment où tu les mets. C'est logique. Et en plus, ça dégage... De l'air et tout. Merci, c'est gentil. Mais c'est Adrien hein, qui fait le boulot, c'est pas moi. Tu fais quoi? Le nouveau concept de replay de live très professionnel. Ah! Tu es une professionnelle! Les gens, ça augmente plus là.
Ça y est, ils deviennent un peu bruns. Ah, les lawyers. Non, mais il y en a un qui répond à mon short comme quoi je suis parrain. Et il dit pour être parrain, il faut les moyens. Et je lui dis d'accord, Kevin. Il me dit c'est quoi cette réponse? Je lui dis mais c'est quoi cette question? Pour être parrain, il faut avoir les moyens. Ouais. Okay. C'est déjà prévu, hein, de façon Ali. Hein. Ah, c'est un an, je lui offre une bagnole. Bon, Toto. Non, mais les gens. Pour être parrain, faut être présent, surtout, elle dit Lola. Bah oui, c'est clair. Très bien. Non, mais je te jure. Oui. Ça sent bon, hein. Je croirais, ouais, à la fête. On choisit pas un parrain, un marraine pour les cadeaux. Exactement. Et puis, je pense que si beaucoup avaient les moyens que nous, on a, ils seraient très heureux. C'est pas pour dire qu'on a beaucoup d'argent. C'est pour dire qu'on n'est pas malheureux, non. On a l'argent nécessaire, et que si beaucoup en avaient autant que nous, déjà, ils seraient très contents, je pense. Mais et c'est une insulte envers les autres. Hein. Comme le disait le youtubeur Sir Gisby, là, qui est en prise de bec avec un autre, là, le gars, il sautait de sa gueule pour ses vues et ses revenus. Il a dit, alors peut-être que je fais pas 15 000 euros par mois comme d'autres youtubeurs et tout, il dit, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que je fais un métier qui me passionne. Et ça, déjà... C'est beau. Bah, c'est comme nous, je veux dire, on a la chance d'être à la maison, on peut faire ce qu'on a à faire. Quand il y a un enfant qui est malade, on va le chercher à l'école, on peut l'emmener chez le médecin, on peut les emmener au sport le mercredi. On peut aider Gaston à monter son parquet. Non, moi j'ai connu des gens, là j'en ai connu une au Luxembourg, elle travaillait en banque, elle gagnait 6 plaques par mois, ou 6 000 balles par mois, elle a fini en burn-out. Mmh. Donc tu sais, pourtant c'est des leçons top. Vous voyez une grosse différence de train de vie avec un salaire? Ben, on n'a pas un salaire, donc non, on voit pas de différence parce qu'on en a toujours deux, des salaires. Ah, là, ça va plus vite. Ça s'entend, ça fait qui? On n'aura pas beaucoup, beaucoup, hein. De churros. Après, vaut mieux qu'il n'y en ait pas beaucoup parce que sinon je les bouffe tous. Non, t'en laisses aux enfants déjà. Ah oui, j'en laisse aux enfants, bien sûr. Mais c'est pour dire que moi, tu m'en fais 50, je mangeais 50, c'est ça le problème. C'est parce que j'ai confiance en 1000%. Lola, elle a dit. Bah oui, c'est ça qui est important, surtout. Bibi, elle a dit quoi hier? Ça m'a fait plus drôle. En fait, hier, on était chez Alain, du coup. Je suis allé chercher Bibi en moto. Ah, oui. C'est au collège, juste pour lui dire, écoute, rejoins-nous chez Alain. Donc, j'étais devant le collège en moto, j'attendais qu'elle sorte. Et là, elle m'appelle. Et je dis, bah, t'es où? Et elle me dit, bah, je sors. Mais en fait, je lui dis, bah, faut aller chez Alain. Et elle me dit, bah, non, je vais au dessin. Je dis, ah, putain, j'oublie, oui, c'est vrai que t'as le dessin et tout. Et après, du coup, elle me rejoint à la moto, on parle vite fait, et elle part avec ses copines et tout. Et le soir, elle a dit, oh là là, en tout cas. Mes copines, ils m'ont dit, ouais, t'as trop de la chance, ton père, il est trop cool, il est en moto, il est jeune et tout. Moi, le mien, il est tout chauve, il est tout vieux. Ça me fait plaisir d'entendre bah ça. Oui, non. Je suis pas un canon de beauté, mais au moins, ça va. Aussi. Oui, pour toi. Bah oui, pour moi. Et alors, les autres, on s'en fout, non? Mais c'est ton objectif. C'est pas objectif, on m'a pas demandé d'être objectif. Pour moi, c'est objectif. Bah non, si tu peux pas dire pour moi c'est objectif. Bah non, c'est un oxymore. Parce que justement, le but de l'objectivité, que ce soit pas ton opinion. Oui, 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 t'as raison. Bon bah t'es moche alors, ça va plus vite. Mais c'est pas ça. Non mais tu vas me faire un discours là parce que j'ai dit que t'étais beau. Non. Bon, ça va être compliqué le camion là, hein, parce qu'il est, bah, il est 25 oui. Déjà après. Bah oui, je lui ai dit quand il m'a appelé tout à l'heure, mais non, c'était la semaine pro, je dis ok. Mais là, il m'a dit tout à l'heure, ce matin il m'a appelé, je dis écoute, à 15 ans, j'ai un coup là. J'ai un appel, un visio en plus. Tu veux un avis objectif, rase-toi la barbe, on verra si elle pense toujours pareil. Ouais, on verra. Si du coup, je suis pas objective. Je vais la raser. Vas-y, on verra. Vas-y. Si tu peux dire que je suis objectif. Le drame de notre couple, quand même. Si demain je me rase la barbe, tu le hisses à quel niveau de crise de couple? Au niveau tromperie? Au niveau mensonge? Au niveau quoi? Le rasage de barbe? Trahison. Trahison? C'est rare, certes, quand même. Oui.
cas de divorce, ça me dit Lola. Ah, ça me l'a déjà dit. Il cuit mieux, hein. Ouais. Attends, je vais quand même en goûter un petit morceau pour être sûr. Parce que voilà, je veux confirmer à la caméra. Ils sont parfaits, putain. Comme à la fête. Ils sont d'ailleurs même un peu plus consistants qu'à la fête. Ouais. Ouais, c'est mieux la pâte, mais elles sont mieux cuites ceux-là. Pas plus longtemps. Mais là on va plus. Là il y en a 1, 2, 3, 6. Plus là je vais peut-être en faire 2, ouais. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et demi. Ouais, ça va faire quoi, 15 churros quoi. Oui, ça va. Mais au moins on saura que c'est bon et que la prochaine fois que j'en ferai plus. Oui. Et il reste encore des savanes là, il reste encore un roulé aussi. De toute façon, ils vont à la garderie, ils ont leur goûter. Ah bah c'est oui. Pour ce soir le dessert, mais ils auront ça. Bah oui, et il y a aussi encore, il y a un churros encore turc là. Et encore des yaourts, non? Ou ils ont tout mangé? Non, il en reste. Ouais, on va prendre. Mon ami n'a pas le droit de couper notre barbe. Exactement. Bah, c'est ce que la coiffeuse me dit à chaque fois. Quand je lui fais la blague, elle dit « Ah non, mais moi, je veux l'autorisation écrite de ta femme. Hein. » Bah oui. Ouais, il va confirmer tous les churros. Oui, il y a encore les gâteaux, les bonbons à garderie, c'est clair. Bah surtout que c'est pour ça qu'ils y vont le vendredi. Parce que c'est le jour des bonbons. Ouais. It's party time. Comme si on n'avait pas, tu sais, il y a un pot là, plein de bonbons à disposition, tu sais, avec des qui est rempli régulièrement. Des bonbons, le reste des bonbons, il est dans la réserve. Des Kinder que Marine a ramené. Ouais. Mais du coup, ils vont à la garderie pour les bonbons. Voilà, parce que c'est pas pareil les bonbons de la garderie. Non, c'est Lynn, ça suffit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Elle dit quoi? Rien. C'est où? Elle a dit, je crois qu'il faut goûter de nouveau les churros. Je pense que c'est Céline. Non. Elle dit qu'elle n'avait pas fait chier cette nuit. Pourquoi? Bah hier soir, quand on s'est endormi, je suis allé au chiot. Sauf que l'autre, elle dormait au pied du chiot. Et je la poussais, elle se réveillait pas. J'ai dit, mais dégage, je peux pas laisser aller au chiot tranquille. Puis elle était là, je la poussais avec le pied. Et non, elle restait comme ça, elle me regardait, elle se laissait pousser. J'ai dû la pousser jusqu'à dehors avec le pied. Bah oui. Non, madame dormait, il ne faut pas aller manger. Tu savais pas? Oh, ah, ils ont déjà tout mangé, la vache. Alors, non, c'est vrai que j'en fais pas beaucoup des recettes salées, mais j'ai fait quand même une vidéo salée qui est en replay sur YouTube. Mais il faut que j'en fasse. On n'arrête pas de me demander, donc je vais en faire. Ouais, t'en fais une par semaine, hein. Voilà, ouais. Tu remplaces sur des recettes par semaine. Non, je connais pas. Enfin, je dois connaître, mais pas le nom. Une fois, je l'ai fait sur le gaz. Hein. Oui. C'est une sorte de cassoulet portugais. Ah, d'accord. Quand tu veux, Germaine, hein? Parce qu'après, tu vas servir, toi? Oui. Pas pressé. Non. Non, mais bon. C'est 15h, si tu vas à 15h15, il n'y aura peut-être plus de viande. Hein. Bah,
Déjà, non. Déjà, ils ont dit entre 15h et 16h. Oui. Donc, si ça se trouve, je vais y aller à 15h. Ils auront pas reçu. Ils auront pas reçu, ce sera 16h. Donc, j'y vais entre 15 et 16. À 2,90€ le kilo de cuisse de poulet. 2,20€. 2,20€. Heureusement que les beignets de carnaval, je les ai pas fait sur ma plaque. Hein. Je serais encore là, en train de les faire. Ouais, le problème, c'est que de prendre une petite plaque de cuisson comme ça, du coup en plus puissant, genre du 2002 ou du 2500 watts, c'est que ça va faire sauter les plombs. Hein. Bah, sur une prise de 120 volts branchée en 2005, je sais plus combien, là, ça va faire fondre les fils. Là. Bah, oui. Donc il faudrait une prise de force ou un truc comme non, ça. Non, mais pour, après, habituellement, pour ce que oui. Je fais, c'est bien. Oui, pour les bains-maries, les trucs et bah, tout, oui. Ça va très bien. Là, c'est pas la fin du monde. Oui, je te dirais, Lola. Pas, pour nous, c'est pas la fin du monde. Visiblement, pour certaines personnes, si. Ce n'est pas assez chaud. Bonjour. Je sais plus ton prénom. Parce que le pseudo est grand. Oui, Mélanie. Bonjour, Asia. Bonjour, Kali. Asia. Merci Sarcia pour le follow. Je sais pas si c'est elle qui m'écrit sur Instagram, qui m'a parlé des tartes flambées hier. Ah. Qui te donnait envie, je dis oui, enfin tu fais le ramadan, c'est du lardon, tu. Quasi, bah, je vais du poulet. Si bah oui. Oui. Je crois que je vais essayer ce week-end. Bah ouais, franchement. Moi, je vais en refaire aussi. Je sais pas si je ferai... Bah non, peut-être pas demain. Parce quand que tu demain, il faut qu'on parte quand même assez... Ah oui, on a le concert demain. Bah oui. Peut-être dimanche. Bah réponds à quoi? Tu me mets un point d'interrogation. Tu veux que je réponde à quoi? Point d'exclamation. J'ai dit mon prénom, mais je crois que ça passe pas. Ah! Ben, est-ce que tu es un homme ou une femme? On va jouer à qui? Quoi? On va jouer à qui? Oh, qui est-ce? Rendez-vous YouTube dans 30 minutes. Bah oui. Ah! Alors, je vais t'appeler Maria, parce que t'es portugaise, voilà. Oui, oh, c'est, voilà. Oui, c'est un cliché, oui. Bon, c'est pas un cliché, c'est culturel. Ah non, là, je vais pas aller loin avec ça. Hein. Je vais faire un bébé churros. Un baby churros. Ça, ça sera le bébé du goûtage. Quoi? Oh, merci pour les roses. Hop. Et du coup, t'as acheté ce petit cornet pour les mettre dedans, comment elle fait? Le cornet est trop chiant, il y a le Nutella qui tombe dedans. On a plein les doigts. Ça va, tu veux que je monte un carrousel aussi? Oui. Ah, pour le message privé, ce n'était pas moi.
Ah, donc c'était pas la même chose. Non, toujours pas. Non. Ben, je crois que... Bah ben, après, hein. Oui, bah après beaucoup, j'arrive en 35 minutes. Ah si, une demi-heure en fait. Je vais d'ailleurs monter parce que je vais préparer, sans visio. Bah oui. Ils sont trop beaux. Ah merde, non, je les ai mis là alors que je voulais. Bah, les sucrés. Tu mets sucre et. Ouais, sucre, c'est tout. Ah, le gongon est là. Pas de sucre glace, hein, sucre. Oui, oui. Mais je sais. Pourquoi t'es chiant? Parce que j'aime bien tomber. Je te taquine. Petite cacahuète. Là, il y a Gordon. Je t'ai dit, ils attendent comme si ils allaient en avoir, tu sais. Elle est vivante. Enfin, elle bouge. Bouge un peu pour montrer que t'es vivante. Oui, c'est bon. C'est peut-être une autre. Hein. L'autre, il a... Oh, il est lourd, lui. Et le steak, il est beaucoup plus lourd qu'elle. Hein. Il aime pas. Non, mais il est beaucoup plus lourd qu'elle. C'est que sa maman qui a le droit de porter. Et t'as vu comme il bat? Ouais. Pour aller à la douche, en général. C'est pour ça qu'il aime pas. D'habitude, quand je le porte, c'est pour aller à la douche. Hein? La douche, c'est toujours un sketch avec lui. Hein. En fait, il dit rien, mais tu le mets dedans, puis il est comme ça, il bouge plus, et puis il te regarde avec sa petite tête, la jambe, mais pourquoi tu me fais ça? Ouais, il fait du cinéma, exactement. Oui, les deux sont âgés. Ben, Cacahuète, elle a 16 et Gordon a 14. 17 en septembre. Ouais. En octobre. 17 cette année. Mmh. Ouais, tiens le coup, hein. Bon, oui. Bon, elle passe plus le contrôle technique, mais ça va. C'est Raymond et Huguette. Oh, bah là, oui. À ce niveau-là. T'as raconté que Gordon s'est fait un copain? Un autre grande surprise non. Générale? Non, non. À côté, en bas. Il y a des nouvelles personnes qui viennent habiter là et ils ont un bulldog français. Et ben Gordon, étonnamment, alors je ne sais pas par quel miracle. Il n'a pas essayé de le manger. Il n'a pas essayé de le bouffer, rien du tout. Ils se sont approchés, ils se sont reniflés, ils ont joué ensemble. Vraiment, c'est quelque chose de juste impossible avec lui. Hein. Ah ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la comédie qu'il fait quand il y a un chien qui passe. Juste devant la maison, bah d'ailleurs c'est le cas, donc vous allez peut-être l'entendre. Non, il ne sont pas attentifs. Ah non, il attend après moi. Mais c'est un sketch, hein. Et là, je sais pas pourquoi, je sais pas, il a dû remarquer que c'était le même. Et le chien du père d'Alain? Oh, 90 kilos. 90 kilos le chien, il a 9 mois. Il est gigantesque. Ah, ouais. La fixation de téléphone dans ta bagnole, ça tient bien, ça va? Moi le mien, il passe pas dessus. Mais toi, c'est bon? Oui. Ah, t'es contente? Oui. Ah. Carole. Oui, il attend son chou rose, Gordon. Mais il peut attendre. Hein. C'est quoi comme chien? C'est, il a dit un berger belge. Mais j'ai regardé sur internet, c'est un croisé alors. Parce que les bergers belges, oui, ils sont gros, mais 40 kg max, pas 90. Ouais. Camille. Parce que c'est pas un berger d'Anatolie, hein, les Kangals là. C'est, ça ressemble, mais. Ou alors, j'ai peut-être mal compris, mais. Pour moi, c'était ça. Parce que c'est berger d'Anatolie, normalement, les Turcs, là, les Kangals, les machins géants. Mmh. Surtout qu'il est tout gentil, Clébard. Ouais. Il est tout là-haut. Ah, bon, à part quand les chiens se sont approchés. Ouais, il a refermé le coffre, il a dit non, il a dit. Surtout qu'à mon avis, il ne doit pas pouvoir trop le retenir. Hein. Là, 90 kilos. Il est plus lourd que lui. Ah oui. Pas plus lourd que lui, je sais pas. Mais... Oh, si. Bah, il est petit, son père. Voilà, on a fini. En tout cas, avec ce système de toile, eh ben, ça a bien marché. Hein.
Ça a bien absorbé finalement. Bon, du coup, vous voyez, hein, on n'a pas énorme. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui ai pris ma place. Bien. Hein? C'est vrai, tu rigoles? Ouais. Ah, c'est marrant. Généreusement. Coucou Delphine, ça va? Je suis dès qu'il n'y en ait pas plus. Hein. Merci Séverine pour le follow. Ils sont pas très gros. Oh, mais t'arrêtes, espèce de perfectionniste. Mais parce que ça m'énerve, je pensais qu'on aurait au moins un peu plus. Mais ça va, t'en feras. J'en ferai dimanche. Et voilà. Moi, je trouve qu'on a réussi. Voilà, mission accomplie. Bon, ça, je vais pas toucher tout de suite. Hein. Non. Oui, ça donne très envie.